Il est 17h25, nous poursuivons notre après-midi de football belge, 9e journée en continu sur les antennes de Wousport pour une très très belle affiche. Panier. Quoi? Petit prono? Non, je donne pas. Jamais, hein? Tu veux pas, mais je vais pas le donner, je donne pas. Ouais, parce qu'après, si on te paye... C'est la guigne. T'as peur de porter la guigne, quoi. Bah, c'est pour ça que je le fais pas. Je donne des rires. Vous les voyez rayonnants, les joueurs du Standard, et même Monsieur Bois le sourire. Ils accueillent les Carolo de Karim Benjocine. Belle rencontre en perspective, parce que ces deux équipes nous ont montré tout de même de bien belles choses depuis le début de la saison, et le Standard également avec un beau début de parcours, puisque une belle position au classement aussi à l'heure actuelle. Tu l'avais déjà vu, ta porte? Non, non. Quand j'ai su que j'allais venir, voilà, j'étais très content parce que j'ai passé des super souvenirs ici. On a gagné, on a vécu des super moments et c'est une fierté de vivre. On a 30 loges, hein, okay. Donc c'est pas beaucoup. Il y a exactement 30 icônes, figures iconiques du club qui ont eu la chance d'avoir une loge. Bah, toi, en plus, tu as celle qui est symboliquement, c'était celle du partenaire maillot. Ça, c'est génial. Magnifique. Merci beaucoup. On avait une superbe équipe et on a fait des belles choses. Et je vois pour l'instant qu'ils sont très bien, qu'ils prennent dans mes revenus et qu'ils ont l'ambition de gagner l'équipe. C'est un super match, un derby. Il y aura de l'ambiance, il y aura de l'intensité et ce sera un bon match à voir. Place du classement, tout en sachant que le club de Bruges, même s'il a 2 points d'avance à l'heure actuelle, a aussi un match de retard à disputer au Nordine à Charleroi. Oui, donc hein? c'est intéressant, donc c'est important le match aujourd'hui. Exact, c'est parti. Bastien, bonne balle dans l'intervalle en direction de Carcella, qui se fait accrocher. Ce sera déjà le premier carton. Oh oui, mais oui, évidemment. Bien sûr que c'est jaune, il est en retard. Faute sur Mpoku, avantage. Eh bien, finalement, si. Non, je pensais qu'il allait revenir à la fin. Oui. Attention à cette perte de balle un peu idiote de Diagne, Lestienne. Voilà. Ah, attention, il a déjà une jambe. Oui, attention, il a une jambe. Regardez, vous allez voir, regardez, il en a un coup ouais, aussi quand même. Avec sa main gauche. Il n'est pas bien dans le match. Depuis le début, non, c'est lui qui vient de faire la mauvaise passe. Il se met lui-même en danger. Regardez. Et après une petite demi-heure de jeu, on peut constater qu'on n'a pas beaucoup d'occasions hein, jusqu'à présent. Non, parce que Standard joue bien, mais avec le coup, là, vous avez vu l'attaque. Oui. Derrière le ballon, il y a Bastien et Poupou, c'est des manœuvres de ballon. Faute sur Carcella, les cartons. Mais lui, c'est... Thank you.
drapeau levé. C'est but. C'est but, c'est accordé. Donc pas de faute de Morioka. Et le Sporting de Charleroi prend l'avantage à quelques secondes de la fin de la première mi-temps d'Ordine. C'est 4-3. C'est bon. Mettre un petit peu plus de pression sur les Carolo et surtout essayer de trouver les ouvertures, les possibilités d'entrer dans le rectangle et d'être véritablement dangereux. Centre de Vojvoda, il était beau ce centre-là, il est arrivé mais un millipoil trop tard car c'est là. De l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il arrête le match. Voilà, on est parti pour 2 minutes 30, alors je pense. En fait, on va attendre que l'action se passe. Bonjevic. Et voilà, regardez. Oh là 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 là. Oh là là, c'était chaud. On a joué contre une équipe de Charleroi fort compacte, qui par moment cassait le jeu. Donc voilà, mais bon, on a essayé de limiter la casse. Heureusement qu'on repart avec un point quand même. Je pense que là déjà on a un gros déplacement jeudi à Arsenal. Après, quand on revient, on va à l'Antwerp, ça va pas être évident, mais bon. Maintenant, on va se concentrer directement sur le prochain match et on va continuer à travailler pour être le plus près possible. C'est une équipe. Après, on n'a plus de mal, là. À l'aéroport, quand vous arrivez là. Non, mais y'a rien, les cas d'habitude, on en a. D'habitude, y'a même chose, une grosse en plus. Tu mens. C'est pas compliqué. Celle des chaussures, on aurait. L'année passée, on poussait. En plus, il y avait une en plus. On poussait quand on voyageait. Le double de ça, je te jure. Moi, j'ai peur de l'avion. Bah, pourtant, tu le prends souvent. Hein. Moi, souvent, mais. Ça va très bien. Souvent, des mauvaises expériences. Là je vais au vestiaire, je vais prendre mes affaires parce qu'on part à Londres. Mais filme-le lui. Il dégage une certaine. Regarde lui. Yoka Karizi. Ah, tu vas semblant toi. Mais tu vas mieux ou pas? Ah, t'as quoi en fait? T'as mangé quelque chose de bizarre. Ouais, toujours dans les détails. Toi, t'es pas sénégalais, toi. Ça va? Toujours dans les détails. Regarde-le, chaussette jaune. Il est pas sénégalais. Viens, Marconi. Salut, mon fils. Signo Van Esden. Regarde-le. Toujours dans les détails, lui aussi. Club mythique et c'est la troisième fois qu'on les rencontre depuis l'existence du Standard, si ma mémoire est bonne. C'est évidemment le déplacement le plus délicat parmi les trois déplacements qu'on va devoir faire, mais c'est aussi le déplacement pour lequel j'imagine que nos joueurs sont les plus excités, le staff et nos supporters évidemment. Trois compétitions à mener de front. On a un noyau qui est
assez important et Michel Preud'homme est un compétiteur et aborde les trois compétitions de la même façon. On a 19 points, on a passé le premier tour en Coupe de Belgique qui n'est jamais un exercice facile pour nous et on a gagné le premier match à domicile en Coupe d'Europe. Donc pour le moment, tous les signes sont plutôt ouverts et ça c'est très positif. Ah ouais, j'arrive, je vais chercher le reste. Il faut y aller véritablement en jouant sans complexe et en donnant le maximum. Et je crois que notre philosophie a toujours été de jouer chaque match à fond. C'est d'ailleurs les valeurs du club, passion, fierté, ferveur. J'aime bien le rappeler et je crois que c'est avec cet état d'esprit que nos joueurs vont démarrer la rencontre demain. Mais en sachant qu'en phase 2, on a quand même une équipe qui, rien qu'en valeur marchande, est nettement plus importante que le Standard de Liège. Mais c'est pas grave, on a montré contre Séville l'année dernière qu'on était capable de faire de jolies choses, en tout cas à domicile. Ici, on va aborder le match de la meilleure façon et je me réjouis déjà d'y être. Ouais. Moi, je vais être un A, je crois, non ? D'accord. T'es fou, ML, c'est moi, ML. Beaucoup recentré pour avoir la possession, essayer de garder un petit peu plus ce ballon pour pouvoir calmer le jeu. Là, le Standard, on espère tous évidemment la victoire du Standard, même si à mon avis il va falloir un petit peu boulotter et il va falloir y aller quoi. Mais en tout cas on sera tous là ici à Saint-Jean derrière les rouges ce soir pour espérer la victoire. Un 4-2-3 du côté du Standard, un 4-3-3, on va dire ça comme ça. On se permet de rêver et que c'est toujours bon. Et puis voilà, après ça reste quand même Arsenal en face. Je pense qu'on peut avoir du beau football. Si même il y a une défaite derrière, je pense que ce sera un bon match ça de tout. On connaît le pare-choc Bastien Chimiro depuis le début de la saison. Et c'est parti avec Renaud Aymon, sans doute aussi préféré à Venati pour sa faculté à se donner collectivement. C'est pas qu'un buteur, Renaud Aymon, c'est un gars qui court énormément.